en sorte que notre nation se fasse enfin entendre un peu partout sur la planète et puisse occuper la place qui lui revient. Quand j'entends de nos commentateurs sportifs, vous savez, la convergence en termes de médias là, est dramatique dans une situation comme la nôtre. Quand j'entends qu'on reçoit 8 milliards de péréquations par année, je vais vous dire quelque chose. Mais je vais d'abord corriger un chiffre de notre ami tout à l'heure qui était tout à fait exact, mais qui date du rapport de M. Legault. Nous versons chaque semaine 1,7 milliard en impôts à Ottawa, en taxes, en timbres, en licences, en permis, en produits et services de tout genre. 1,7 milliard par semaine qui sort du Québec et qui s'en va à Ottawa. On n'a même pas l'intérêt sur cet argent-là. Et en plus de cela, dans aucun des ministères du Canada, j'ai vu une étude de mon député qui est Louis Plamondon. J'ai la chance d'avoir un bloquiste à Ottawa, à Sorel, et un péquiste à Québec. Eh bien, notre ami Plamondon a fait une étude pour la Journée nationale des Patriotes cette année. Et qu'est-ce que cette étude nous a révélé? Eh bien, cette étude nous a révélé que dans aucun des ministères canadiens, nous recevons notre juste part en termes de population de ce qui nous revient. Donc, ce qu'on nous envoie en péréquation, là, c'est même pas ce qu'on nous envoie pas pour des bateaux, pour des avions, pour des produits, pour des dactylos, pour des ordinateurs. Le Canada ne dépense pas 25% de ses revenus ici au Québec. Donc, ni dans les investissements, ni dans les dépenses de l'État, nous recevons notre juste part. Ne soyez pas assez naïfs pour penser qu'Ottawa nous donne 8 milliards par année pour nos beaux yeux. On nous donne 8 milliards pour nous empêcher qu'on en reçoive 30. Donc, ça n'a aucun sens. Je me fie sur les économistes parmi vous pour rétablir les chiffres dans leur juste proportion, mais c'est le principe de ce que je vous dis qu'il faut tenir. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme la nôtre? On fait appel à la fierté, comme les jeunes l'ont démontré durant ces derniers mois. Cette capacité de mobiliser, cette capacité de se fâcher, et j'oserais le dire, cette capacité de se révolter, c'est notre salutation. Non à l'humiliation, non à l'assimilation. Montréal s'anglicise davantage chaque jour. On est en train de convaincre tout le monde au Québec que la parfaite connaissance de l'anglais est plus importante qu'une meilleure connaissance du français. Non, nous appartenons à la francophonie. La francophonie, c'est plus de 80 pays à travers le monde, 1 million de professeurs de français, 800 universités à travers le monde, la seule langue après l'anglais qui est parlée sur tous les continents et qui est considérée comme une langue de culture, encore aujourd'hui dans la diplomatie, dans les relations internationales, la langue française demeure la langue la plus importante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de synonyme en français. Nous avons des dictionnaires de synonymes, mais c'est de la fausse représentation. En français, lorsqu'un nouveau mot est accepté, il faut d'abord que l'on démontre qu'il n'y en a aucun autre qui veuille dire exactement la même chose. Le français, c'est la langue de la précision, c'est la langue de la clarté. C'est pourquoi, dans les traités internationaux, on fait souvent appel au français. Il n'y a pas de conflit lorsque les traités sont rédigés en français, parce que c'est une langue qui est d'une clarté exceptionnelle, remarquable, unique. Donc, je vous invite, vous qui militez à l'intérieur du Bloc québécois, qu'on a besoin plus que jamais, le discours indépendantiste doit être entendu à Ottawa. Suivons de près ce qui se passe en Écosse. Rappelez-vous l'histoire de l'Irlande. L'Irlande, ce sont l'équivalent des députés
du Bloc québécois, élus à Londres, qui se sont convoqués dans une réunion à Dublin et qui ont déclaré l'indépendance et qui a fini par être reconnu, y compris par l'Angleterre. Et c'est la même chose avec les Catalans en Espagne. Moi, j'ai rencontré pendant une heure et demie, en tête à tête, Jorge Pujol, qui est le René Lévesque québécois, et qui est le chef du mouvement catalan, et qui détient la balance du pouvoir au Parlement de Madrid. Occupons toutes les tribunes, occupons tout le terrain qu'il nous est possible d'occuper. Faisons entendre cette aspiration à la liberté. Personne dans tout Québécois, quelle que soit la couleur politique qui est la sienne, dans tout Québécois, il y a un indépendantiste qui sommeille. Faisons en sorte d'être ces éveilleurs de conscience, de rappeler que n'a pas de prix, que ce pourquoi nous combattons est exactement la même chose que ce pourquoi toutes les nations du monde ont combattu pour sortir de la servitude, pour se débarrasser de ces reliquats de la monarchie. Moi, quand je pense à la monarchie, je pense à Mme Thibault. Mme Thibault, vous savez, la lieutenant-gouverneur, qui a mangé en même temps à Amos, au lac Saint-Jean, aux îles de la Madeleine, puis à Gatineau, au même moment, à la même heure, la même journée, puis qui a fait rembourser ces quatre repas-là par l'État québécois. Mme Thibault, qui voulait se baigner en Floride et qui a fait venir en taxi depuis Québec sa petite machine de golfeuse pour lui permettre, dit-elle, de se tremper le gros orteil parce que c'est important pour sa santé dans cet Atlantique sud. Donc, vous savez, là, après Jean-Louis Roux, qui avait porté la croix nazie durant la Deuxième Guerre mondiale, après Lise Thibault, qui est accusé de fraude massive de l'État, après toutes ces exagérations royales dont M. Harper nous inonde, faisons appel à la clarté de notre discours, faisons appel à la clarté de nos ambitions, faisons appel à la grandeur du rêve qui nous habite. Oui, rien n'est plus important pour un peuple que d'obtenir cette liberté. La plupart des pays de la Terre l'ont obtenu par les armes. Comme disait René Lévesque, nous préférons la démocratie, qui est plus lente, qui est plus longue à obtenir, mais qui prend assise profondément dans le sol, dans le terroir de notre peuple. Soyons fiers, nous serons plus forts. Et vous, cette jeunesse, qui demain allait occuper tous ces postes-là. Il y a des futurs députés ici, là. Il y a des futurs ministres ici, là. Vous ne savez pas qui encore. Toi, la jeune fille, toi, le jeune homme, tu occuperas à Québec et à Ottawa, mais à Québec, je l'espère, les plus hautes fonctions. Il y a peut-être un futur président de la République parmi vous. Aimez ce Québec. Ce Québec qui nous ressemble, ce Québec qui a le droit de vivre, ce Québec qui aspire à être lui-même et qui a le droit, comme tous les autres peuples de la Terre et que tous les autres États de la Terre, qui a le droit de décider lui-même au lieu de mettre 500 milliards dans les armes et dans les avions et dans les munitions en tout genre. Nous mettrons cela dans l'éducation gratuite de la maternelle à l'université. Rien n'est plus normal pour un peuple comme la génération des Jacques Parizeau, des Gérard Parizeau, des François-Albert Anger, des Roland Parenteau. C'est la Société Saint-Jean-Baptiste qui a fondé les HEC, comme c'est la Société Saint-Jean-Baptiste qui a fondé les premières compagnies d'assurance francophones, les premières sociétés de fiducie francophones, la première bibliothèque francophone publique de Montréal. C'est le rôle de la Société Saint-Jean-Baptiste que d'être à l'allumeur de toutes ces créations. Eh bien, tous ces gens-là, toutes ces générations qui se succèdent depuis que nous avons été annexés contre notre volonté à un pouvoir étranger qui en plus nous est hostile, eh bien, toutes ces générations avaient une idée en tête, l'éducation. L'éducation, c'est l'avenir. L'instruction, ce sont les
ce qui va nous permettre de nous débarrasser des chaînes de notre servitude. C'est le savoir qui combat l'ignorance. C'est le savoir qui enrichit. C'est le savoir qui ouvre les portes de l'avenir. Chers amis, chers jeunes du Bloc québécois, sous la férule de notre chef Daniel Payet, faisons en sorte que le Québec soit enflammé de cette volonté d'indépendance et de liberté, et tous ensemble, bientôt, nous connaîtrons enfin et nous goûterons pour toujours les fruits de l'indépendance nationale qui est au peuple ce que l'air est à toute la création. Vive le Québec libre!